Beau matin à toutes et tous. On se retrouve pour le conseil de la carte du chemin de soi et les messages de ce vendredi 11 octobre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, la petite pensée positive, pardon, de ce 11 octobre, eh bien, le pire est toujours possible. Appréciez sa vie au jour le jour, aimez et choyez ceux qui nous sont chers. Profitez de ses parents, partagez des moments de joie et de bonheur, agir et dire sans tarder. Gardez dans un coin de sa tête que le pire est toujours possible et que c'est aujourd'hui qu'il faut être heureux. Waouh, mais oui, l'instant présent, tellement important. Belle pensée positive. Et je termine avec la carte du jour, la numéro 18, qui est « Prends exemple sur l'oiseau qui, lorsqu'il s'envole, ne cherche pas tout de suite l'endroit pour atterrir. Il vole. Tout simplement, il vole librement. » Eh bien, le conseil de cette carte, point de vue finance, appréciez chaque petit cadeau que vous vous faites et ceux que vous offrez aux gens que vous aimez. Vous savez, ce n'est pas la quantité qui est importante. Ce n'est pas la quantité qui touche les cœurs. C'est la qualité. Côté sentimental, le conseil, prenez le temps de laisser votre histoire prendre racine. Ce n'est pas demain qui importe le plus. C'est ce que vous créez aujourd'hui. L'avenir, eh bien l'avenir vous dira si c'est la personne de votre vie et aujourd'hui vous permettra de faire vibrer vos sentiments et votre histoire. Voilà pour le côté sentimental. Et le conseil côté professionnel, si vous venez de trouver un travail, ne cherchez pas déjà à en changer. C'est en faisant de multiples expériences que vous prenez conscience de ce que vous voulez. Encore une fois, ne soyez pas impatient. Gardez ce travail que vous venez d'avoir, hein, expérimentez un petit peu, et puis voilà, ça vous donne beaucoup plus d'arc à votre vie au long, n'est-ce pas? Donc gardez ce travail et puis expérimentez-le. C'est une expérience supplémentaire et s'il ne vous plaît pas au bout de X temps, eh bien à ce moment-là, vous pouvez prendre la décision de changer. Ça, c'était le conseil pour côté professionnel et encore une fois, vous avez le libre arbitre. Côté spirituel, vous venez de comprendre certaines évidences. Soyez-en heureux et faites-les briller en vous. Vous avez tout un chemin à parcourir pour en découvrir d'autres. Oui, c'est un travail journalier, n'est-ce pas? Et il est vrai que c'est en cheminant dans cette voie spirituelle qu'on peut comprendre certaines choses et qu'on peut faire briller ce qu'on a compris, évidemment. Et c'est ça notre parcours
notre cheminement ici, sur terre spirituellement. C'est tout ce que nous avons fait ici dans cette vie, que nous avons transcendé, que nous avons transcendé toutes ces faiblesses. C'est tout ça que nous n'aurons pas dans notre prochaine vie. On ne ramènera pas ces valises-là parce qu'on aura déjà fait un beau, beau, beau travail ici, dans cette vie-ci. Voilà, je termine avec Ho Oponopono et aujourd'hui j'ai pigé. J'offre à Dieu mes mémoires erronées afin qu'il me retourne la paix et l'harmonie. Demandons au divin, oui, demandons au divin d'effacer nos programmes inadaptés et de nous retourner en échange, eh bien, de nouveaux programmes qui nous apporteront la sérénité, le calme et le bonheur. Waouh, je termine avec une super belle note, n'est-ce pas? J'offre à notre Créateur mes mémoires erronées afin qu'il me retourne la paix et l'harmonie. Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Allez, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous souhaite un magnifique week-end dans l'amour inconditionnel, la bienveillance, la tolérance, l'empathie, l'altruisme. Tout ça sont des valeurs qui sont importantes, n'est-ce pas? Et puis, voilà, profitez de votre famille, de vos amis, profitez de toutes ces personnes qui vous entourent. On se retrouve pour une prochaine capsule. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien et je vous embrasse tout fort. À très vite.